Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on continue, on s'est arrêté la dernière fois, se dire dans l'aide qu'on allait envoyer justement au roi d'Angleterre. Hein. Parce que nous n'allons pas laisser tout de même des rébellions dans son empire récupérer ce qui nous revient de droit. Bon, d'accord, celle-là, elle va pas au bon endroit. Mine de rien, je vous rappelle que nous sommes officiellement héritiers du royaume d'Angleterre, hein, grâce à un mariage plutôt bien arrangé. Donc nous devons y aller. Ah, certaines choses aussi, c'est que je me suis aussi occupé des voies de succession. J'y pense. Parce qu'on avait quelques petits problèmes qui devaient être réglés. Hein. Bon, c'est juste des lois de succession. C'était le temps, voilà, ça prenait du temps. J'ai fait ça hors antenne. Bon. J'ai fait ça en fait avant la vidéo précédente. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai pas de différence de date entre les deux là. Donc voilà. Et nous pouvons dire, nous sauvons l'Angleterre d'un terrible désastre. Étant donné que nos armées sont peut-être pas les plus puissantes. Enfin si. Surtout les armées les plus nombreuses que j'ai, moi. Donc, bon. Alors pour tout ce qui est rébellion, disons qu'ils ont pas apprécié. Je vous explique en fait pourquoi j'ai autant de rébellion. J'y ai pensé en fait entre temps. C'est que le fait de... Bon, déjà de 1... Ceci est revenu chez moi, hein, avec une histoire de... Je sais pas comment, mais c'est revenu chez moi. Hein, donc... C'est revenu chez moi, une bonne partie en tout cas de ce qui manquait de la Suède. Donc c'est déjà venu chez moi. Toutes ces histoires-là, en fait, c'est quand vous changez une loi de succession... La majorité des vassaux n'apprécient pas. Surtout quand vous changez une loi de succession et que vous la mettez de telle sorte que c'est... c'est vraiment bon. De telle sorte que ça soit, par exemple, des femmes qui héritent. Ah oui. Barquement amphibie, vous voyez le malus que j'ai. Mais quand c'est des femmes qui héritent, comment dire, les femmes sont contentes quand ils peuvent hériter. Mais par contre, les hommes, comment dire, vu que c'est cependant eux, la majorité des vassaux, c'est bizarre, mais ils apprécient pas quand vous fassiez une loi comme ça. C'est bizarre, hein. Je vois pas pourquoi, en quoi mettre les gars... Ah, sur moi, t'as combien d'hommes? 31 000, ça. Ouais, les seigneurs de Norvège vont approuver. Ouais, j'ai eu les scores de cavalerie qui étaient déjà prêts. Je m'étais douté de toute façon qu'une fois qu'ils avaient fini de s'occuper de... Voilà. On a arrangé tous les petits problèmes qu'il y avait. Hein. L'Angleterre maintenant nous rapprécie un peu. Vu aussi la tentative de meurtre que j'ai fait sur son jeu de faction, mais vous m'étonnez pas du tout qu'il me déteste. Hein. Mais bon,
ça peut tellement être rapidement résolu ces problèmes là que ça met en aucun cas un problème, hein. Faut dire ce qui est. Donc voilà, on débarque la flotte ici. Sinon, je voulais voir une chose. Bon. Ça c'est bon. Barque, j'y débarque. Donc l'idée qu'il mourrait, ça m'arrangerait. Ok. Mais non. Je ne veux pas. Bon, par contre, à certains endroits dans les voies de succession où j'ai pas pu mettre la primogéniture en tant que voie de succession. De toute façon, on peut pas toujours tout avoir. Hein. Donc on va faire avec. Hein. Donc ouais, c'est pas un problème. Hein. Et la vraie question que je me pose en fait chez lui, c'est est-ce qu'il y a une escorte? Vous vous rappelez des escortes là un peu chelou là que je détestais hein? Est-ce qu'il y en a encore? Certes, j'ai techniquement dû détruire tout celles qui étaient visible, mais est-ce qu'il y en a reconstitué en fait? C'est ça vraiment la question. Que c'est pas le cas, je vais être honnête avec vous. Ça va tellement être facile à les dégommer. Oui, ouais, ils ont pas dû en refaire archer monté, non. Donc voilà. En Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Non. Du pont de ça gêne personne. Oh l'argent. Allez, je me fais comme une benne de thunes, ouais. Il y a une personne qui m'a dit comment ça se fait que t'as autant d'argent. Bon, je sais pas. Honnêtement, oui, là, j'avoue que... en ayant vu ces chiffres à monter, oui, oui, j'ai beaucoup d'argent. Mais bon... l'argent peut être très vite dépensé, par exemple, si vous construisez, par exemple, vous allez ici, vous construisez plein de châteaux. Pourquoi des châteaux? Parce que déjà de un, quand vous donnez des comtés à des personnes avec des châteaux, vous créez pas de république, donc c'est déjà un petit sous-saï en moins. Et de deux, c'est ce qui vous donne le plus de troupes en fait. Une ville vous donne peut-être le meilleur revenu, mais ça vous donne le plus de troupes. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Vous voyez, un château me rapporte 17,2, je vais dans une ville, elle me rapporte 36,21. C'est pas le même budget. Hein. Mais bon, honnêtement, peu importe hein, ce que vous décidez, le plus important, c'est que vous y allez vraiment sur ce que vous avez eu l'idée de faire. Parce que chaque ville en fait sa particularité. Je vous ne donnez surtout pas de comté à des évêchés. Hein. Sinon vous avez le risque qu'ils retournent au pape. Hein. S'ils préfèrent le pape à vous, des évêques, donc c'est un gros défaut. Les cités, ben, ça crée trop de république, donc vous. Donc il reste baronnie ou c'est le plus sûr. Et si il en reste. Il
Il en restait bien une d'escorte, tu as raison. Flexible ici. Bon, finalement il restait une escorte, j'avais pas tort. J'ai une raison de regarder, hein, parce que... Voilà, ça c'est bien. Parce que c'est important vraiment d'éliminer tout ce qui reste. C'est vraiment les escorts, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, qui sont les plus problématiques. Donc c'est eux que vous devez éliminer en premier, hein, en priorité, c'est les escorts. D'accord, il veut pas m'affronter, d'accord. Oh mais très bien. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de faire mes armées uniques, hein, parce que ça commence vraiment à être pénalisant. Je vais fusionner la moitié de mon armée de choc et la moitié de mon armée de piqué ensemble. Pour donner une armée d'infanterie extrêmement efficace dans toutes les situations. Bon, extrêmement. Moins efficace que ça aurait été qu'une type de troupe que j'utilise vraiment de leur point fort. Par exemple, les piqués, je les laisse en défense. Ils sont vraiment très bons. Ça leur permettra d'être plus polyvalents. Et donc d'affronter plus de situations et d'être plus efficace, bien évidemment, pour nous en tant que guerre. Mais ceci a un défaut. C'est que ça prend du temps à mettre en place. Bon, on finit déjà la guerre là, puis on s'occupe de faire ce mix d'escorte. Là... Donc, j'ai réfléchi pendant un moment en fait à ce mix d'escorte, j'ai réfléchi au nombre de troupes qu'il faudrait avoir pour que ça soit un bon mix. Et je suis toujours tombé sur ce chiffre, c'est une armée de 30 000 hommes. Pourquoi vous mettez 10 troupes de choc? Bah c'est bon, victoire, hop. Il m'a donné 200 en plus. Parce que vous faites une armée, voilà, je vais vous montrer comment je vais faire. Voilà. Il me faut une armée en fait avec... Il faut en fait que je la partage en deux. Et s'il faut encore que j'en donne une. Voilà. Bon, celle-ci et celle-ci vont fusionner. Ça me donne 10 000 hommes. Ici, il faut que j'en aille 1, 2, 3. Il faut que j'en aille 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc lui, il va retourner là. Ces escortes là on l'équilibre. Celle-ci est déjà équilibrée. Et voilà. Vous avez comme ça une escorte très puissante, très bien équilibrée, niveau infanterie. Vous allez me dire, oh mais c'était facile à deviner. Et oui, je suis d'accord. Hein, reste quelqu'un d'assez logique quand même. Hein. C'est pas des... Je vais pas par exemple toujours chercher des trucs compliqués. C'est vrai que parfois je vais aborder des stratégies extrêmement complexes, mais fonctionnelles. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, là, cette escorte-là, je vais la ramener ici. Et elle devra maintenant être équilibrée avec ce qui reste. Elle
finir, il manque plus que... que des troupes de choc, voilà, je cherchais le nom. Bon, par contre, ça commence à faire beaucoup de messages, ça commence vraiment à être lourd. Tous ces messages. Mais bon. Oh, j'ai eu des jumelles, tiens, j'étais même pas au courant. Ils auraient pas des enfants, eux, que je pourrais marier par hasard. Bon, je peux pas. Bon, on verra bien pour le deuxième mariage, hein. Là, je l'avais pas vu en fait. C'est le problème quand vous faites beaucoup de choses en fait, c'est que vous voyez pas toujours tout. Mais je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Galis, je vous demande de faire référence à la vidéo précédente, a voulu son indépendance. Donc ils ont fait la guerre contre la Castille. Hein. Voilà. Et une fois que ceci était bon, qu'ils ont entre guillemets fait leur guerre, il a décidé de me rejoindre en fait. Il m'a prêté en quelque sorte, si vous préférez, il a prêté serment de m'aider. Donc comme ça, je récupère en tant qu'empereur, je récupère la Galice. Je ne contrôle peut-être pas le titre de royaume de Galice, qui honnêtement est un titre de royaume totalement inutile, quasiment sans qu'une puissance, hein, comparé à mon titre d'empereur là maintenant. Mais bon, voilà ce qui s'est passé, c'est que parfois des personnes prêtent d'eux-mêmes leur allégeance à nous-mêmes. Donc voilà, on évite bien évidemment les petits problèmes là. Bon, par contre, vous avez vu, voilà, c'est ce que je fais en fait maintenant. J'essaye de faire en sorte qu'ils s'entendent bien. Par contre, il y a un gros défaut à mon escorte. Et parce qu'il y en a bien. C'est qu'elle est extrêmement volumineuse. Peu des carrières parce que j'ai osé te lever. Donc comme j'ai dit, j'ai un gros problème avec cette escorte là, c'est qu'elle est assez volumineuse. Donc qui dit volumineuse dit qu'elle a beaucoup de troupes. Et 30 000 hommes sur un territoire, vous voyez, j'ai souvent des problèmes de ravitaillement de mes troupes justement. Hein. Ça malheureusement j'y peux pas grand chose. D'accord. Il y a une guerre pour endiguer carrément maintenant au royaume de Léon. Alors, si le royaume de Galice, de Léon et de Cassie me fait les trois mêmes coups, hein, ça veut dire c'est génial. Hein. Donc, mon escorte est très volumineuse, donc elle a souvent des pertes dues au terrain. Donc, faites attention à ça. Ah, et hop, un nouveau territoire. Là, j'ai croisé la route d'une bande de soi qui m'a dit... Oh,
pas assez entraîné. Voilà, on recrée. Voilà. Bon. Hop, petite guerre. Maintenant, d'après vous, où allons-nous faire notre prochaine guerre? S'il n'y a pas trop de rébellion. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Pour voir où elle peut se situer. Oups, j'ai fait une petite erreur, je ne sais pas ce que je voulais. Voilà. Eh ben, on va faire une petite guerre sainte, et oui. Petite guerre sainte contre justement l'empereur là, machin bidule, je sais pas comment il s'appelle, qui a 25 000 hommes, qui s'appelle Calife Mata. Ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va aller chez lui. La tête de mes troupes. Ouais, je sais la tête de quel. Donc, on va aller chez lui, on va... lui prendre le quai Alexandrie comme je voulais. Quand ça me ça avance quand même. Disons que mes technologies vont plus avancer énormément. Là, certaines personnes me conseilleraient d'arrêter de faire des recherches technologiques, mais j'ai envie de leur répondre à quoi faire d'autre. L'argent, je n'ai pas besoin. Diminuer le temps de construction, je n'ai pas besoin. Et niveau militaire, j'ai pas besoin de plus de troupes, étant donné que mes escortes ont plus d'euros. Donc j'ai envie de dire, vous vous mettez à quoi vous? Bon, peut-être mater des petites révoques par ici, par là. J'ai envie de dire, avec le temps, les révoques, vous les matez. Donc... Non, c'est vraiment un choix personnel là, sur le fait que... J'ai pas toujours raison, je suis tout à fait d'accord que c'est parfois un peu... C'est même une erreur, hein. Moi je sais que c'est une erreur personnellement de faire comme ça. C'est mon gros point fort, moi aussi mon gros point faible quel que soit le jeu, c'est que... Pour moi la technologie c'est toujours quelque chose en fait qui est... C'est pas mon problème ça. Donc pour moi, je pense toujours que la technologie est quelque chose qui permet de donner vraiment un avantage à... aux parties. Hein. Alep. C'est où Alep déjà? C'est surtout qu'en fait le nom de la ville me dit quelque chose. Ah bah c'est là, ouais. Oui. Bon, on va récupérer Fatimide Salamine. Hein. Vu que c'est l'Egypte, c'est là où en fait vous aurez l'endroit où vous pouvez mettre le plus de troupes en fait. Parce que je vous rappelle que l'Egypte avec le Nil est un endroit où il y a énormément de... De ressources naturelles, notamment de la nourriture. Et pour une armée attaquante, c'est extrêmement pratique. Bon, je vais laisser mon armée. Je vais même pas laisser se reposer parce que j'ai pas le temps. Ouais, faut qu'on se manie un peu pour nos guerres. Je pense que mine de rien, ça elle ressemble un peu à une campagne que j'ai déjà fait, celle-là, hein, où j'avais créé l'Empire byzantin, l'Empire romain, pas l'Empire byzantin.
Mais j'avais pas eu autant de... J'avais beaucoup plus eu plus de chance que dans celle-là, faut dire. Celle-là, j'ai beaucoup plus bagarré pour avoir ce que j'avais besoin. Je vais pas nier, c'est pas plus mal, hein. Une petite campagne difficile de temps en temps. Bon, j'ai eu la chance d'avoir quand même un magnifique bug, hein. Avec l'histoire des technologies, je vais pas nier. Ce bug-là, j'ai été content de l'avoir, hein. Ça m'a un peu uppé rapidement mon royaume, plus vite que ce qui devait être normalement être fait. Mais excepté ce petit bug-là, en fait, ça s'est plutôt passé sans trop de problèmes. Bon, excepté ralentissement dû à une mise à jour pourrie, mais bon, ça on n'y peut rien. Vous avez pensé qu'à lui, je vais lui déclarer la guerre. Une fois que j'aurai récupéré ça, ce que... Eh oui, avec les guerres saintes, justement, que j'y pense. Vous ne pouvez pas déclarer une guerre sainte pour récupérer un territoire en plein milieu. Il faut que vous ayez soit un accès à la mer. Voyez, soit que ce soit adjacent à vos territoires. Sinon, vous ne pouvez pas déclarer la guerre à une personne. Ça évite un peu l'abus des guerres saintes, hein. Je vais pas mentir, mais bon, c'est plus avantageux pour vous parce que ça évite de prendre par exemple un territoire difficile à défendre. Vous comprendrez bien assez vite pourquoi je dis ça, hein. Par exemple, imaginez, par exemple, vous faites une garçonne pour récupérer là, allez envoyer des troupes pour l'aider, hein. C'est justement pour éviter ça, parce que je sais plus si au début... Je crois qu'au début du jeu, on pouvait. Donc j'y ai, je crois. Oh, c'est dommage. C'est tellement dommage pour toi. Bon, je suis d'accord, j'ai fait quand même une de ces guerres, là. Pigwood. Damiette. Donc vraiment une belle petite guerre là, qu'on... Une bonne petite vidéo même avec beaucoup de guerres, c'est pas la seule guerre quand même, pas mal. Noum, pala, 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 boum. Bon, on usurpera on a réussi. Le roi de Russie a reconnu ma victoire. Bon, on va finir cette petite guerre. La vidéo sera peut-être un peu plus longue, mais je pense pas. Si jamais elle est plus longue, elle sera pas longue de beaucoup plus, hein. Donc je peux largement me permettre de faire cette guerre, hein. Et tout de suite, vous constatez qu'une fois que je peux vers une région à côté du Nil. Voilà. Vous voyez, parce que c'est des plaines provinces côtières, ou parce que c'est des plaines... Voilà, donc cette escorte-là montre vraiment ses limites justement là. Et où j'en suis, hein. Mais bon, c'est pas trop grave, hein. Usurper le Salinine Émirat de Damiette. Bah, c'est un duché, non? Eh ben, allez, hop. Et voilà. Bon, on va finir cette guerre là, comme ça vous... Je vais me faire un truc hors vidéo, ne vous inquiétez pas, je le dis tout de suite. Je vais faire en sorte que cette guerre d'indépendance éclate et je vais l'éclater moi-même, cette petite révolte contre moi. Vous voyez.
Oui, très bien. Parce que c'est pas le problème de vous faire en vidéo, mais c'est quelque chose en fait que j'aime pas faire, que je trouve qui est assez long à faire. Étant donné que je pourrais regarder avant qu'on filme, hein. Mais le plus souvent, parfois ça dégénère tellement une guerre d'indépendance qu'il y a des, il y a des, par exemple, des indépendantistes ici. Et pour être franc avec vous, c'est pas rare le nombre de fois que ma guerre d'indépendance, j'étais à moins 45, moins 55, et afin que j'arrive à gagner. Mais sur 10-15 ans, et je vais pas vous mentir, c'est la seule chose que j'aime pas filmer en fait. Autant le reste filmé, ça me gêne pas, mais autant les guerres d'indépendance, c'est. Bon. Je crois qu'on peut officiellement dire que nous avons rempli pas trop mal nos objectifs pour cette année, hein. On va juste donner. Attends. Oui, c'est moi. Parce que mine de rien, on a eu quand même beaucoup de choses, hein. On a commencé une bonne petite série là. Donc on conquérit pas mal de terrain. Mais bon, il faut qu'on s'arrête là. On reprendra l'année prochaine ensemble, hein. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois et à l'année prochaine. Au revoir.